5 LCS, ici chasseur 3. On a relevé des mouvements rebelles dans l'aile sanitaire du dôme ouest. Ouvrez l'œil au cas où. Ce putain de prisonnier, c'est pas un enfant de cœur. Tiens, ça te sera utile. Dane, on est trois à sortir. On se fait discret. Allez! Dane, bandit, faites diversion. Trois fêtes, on y va. Roméo leader, ici Roméo 1. Allumage en cours, terminé. Bien reçu, Roméo 1. Faut qu'on le fasse rentrer là-dedans, dans le dôme. La guerre a commencé. L'Alpha Cef? Non. Tu te souviens de ces types qui t'ont criblé au K-Volt en Sibérie? Et ceux qui t'ont maintenu en stase pendant je sais pas combien d'années? Ceux qui m'ont arraché la nano-combinaison? Ceux qui allaient te faire la même chose? Le sel, c'est ces enfoirés-là! Silencieux fixé. On va débouler par la porte de devant. Le seul truc qu'on a, c'est l'effet de surprise. Personne serait assez fou pour tenter un coup pareil. On va se la jouer en douceur. Ils ont des escouades parées à intervenir. Camouflage activé. Ici, on va voir le toujours des étudiants en bas. 5-2, rien à signaler dans le périmètre. Terminé. Ce mec, c'est un genre de super soldat. Super soldat, mon cul. Camouflage activé. Ok, allons-y. C'était un beau merdier. Tiens, essaie avec ça. Un arc? Ouais, c'est l'arme furtive par excellence. Ça te rend invisible. Ça te plaît? Non. Tu changeras d'avis quand je t'aurai fait le topo. Les carbolasers ont associé cet arc à ta nano-combinaison. Il a assez d'énergie cinétique pour stopper net un rhino. Pour ce qui est des têtes interchangeables, elles peuvent accueillir des charges explosives. Et surtout, tu restes camouflé. Alors, toujours sceptique? Bon, tirons-nous d'ici. On y va.
Joli. Feu, dégagez de la zone de tir. On a un homme à terre. C'est bon, allez-y. On les tirs. C'est bon, l'utiliser. Dans quoi on a foutu les pieds? C'est le complexe central du sel. Doit bien y avoir 2 milliers de forces spéciales qui se traballent dans ce secteur. Et les CEF? T'as pas fini avec ça? Les aliens, c'est du passé. Quand est-ce que tu vas percuter? Oh, dites-moi que c'est une blague. Attends. Allez, psycho, on bouge! Allez, montre-toi. Allez, enfoncez-moi ça! Tu m'as arraché à ma putain de combi, montre un peu ta gueule pour voir! Psycho, on y va! Je te jure que je te retrouverai! Quand ils te charcutent, t'es encore conscient, tu sais? Il y en a pas mal qui ont clamsé. Le cœur a pas encaissé le choc. Oh, et puis merde! Allez! On y va. Ok, je te couvre. On se retrouve à l'autre bout. Attends, je vais pas tarder. À toutes les unités. Putain, ça change tout. T'es sûr de pouvoir t'en charger de ton côté? Bien sûr. J'ai pas besoin d'une foutue combi de plongée. C'est la merde. Il nous faut plus de tireurs. Derrière nous, y'a que dalle. On est le seul obstacle entre lui et le dôme. On fera la jonction avec mes hommes une fois entrés. Tes hommes? Depuis quand? Tu me connais, je bosse toujours en équipe. J'irai nulle part tant que j'aurai pas eu de réponse. Ouais, je me rappelle. La plupart est criblée de dettes. Le sel détient toute notre énergie. Tu peux pas payer, tu travailles pour rembourser. Et bien sûr, t'y arrives jamais. Tu te retrouves à bosser toute ta vie pour éponger tes dettes. Pas d'autre choix. Enfin, si, un seul. Résister. Écoute, laisse-moi t'expliquer ce que le sel a manigancé pendant ton absence. Je pense que tu y verras plus clair. Bienvenue à New York, version 2.0. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je détecte une signature énergétique. Le sel. Il exploite l'énergie d'une technologie alien. Tout leur réseau est alimenté par une machine CEF abritée sous ce dôme. Ça peut pas être aussi simple. C'est pourtant simple. Tu coupes le courant, le sel meurt. Un vrai jeu d'enfant. Non. L'Alpha CEF m'a montré une vision. J'en suis convaincu. Y a plus qu'à faire la connexion. Prophète, les aliens, c'est du passé.
C'est même toi qui les as exterminés. Il en reste quasiment plus. Non, c'est pas terminé. La preuve est sous nos yeux, quelque part dans le coin. On touche au but. Écoute, pendant que tu cavalais après ton fantôme de super-alien, le sel a conquis le monde. Il faut absolument que tu te remettes à la page. On a besoin de toi pour les arrêter. C'est bien plus qu'une révolution qui se joue ici. Ce que j'ai vu, le sel manie des puissances qui dépassent son entendement. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais c'est la fin du monde assurée si on ne les arrête pas. Ouais, ça tient qu'à nous. Allez, on s'y met. Est intact. Phase finale initialisée. Bien reçu, Roméo 1. Vous avez nettoyé le périmètre. Le Dôme de la Liberté est conçu pour contenir une menace Ceph. Vous avez l'avantage. Les équipes du CEL préparent leur riposte. D'après nos estimations, vous avez 30 minutes devant vous. La zone surlignée est toujours l'objectif. L'activité au sol est minimale, mais les tours sont à 100% opérationnelles. Soyez prudents. Et surtout, pas de risque inutile, Roméo 1. Elle, c'est Claire. C'est elle qui commande à New York. Elle n'est pas de l'armée, mais elle est du genre à imposer le respect. Tu respectes la hiérarchie, toi ? Eh merde, elle m'a fait jurer de fermer ma gueule. Ouais, bon, techniquement, j'ai trop rien dit de compromettant. Le voilà, Dôme de la Liberté. Un bon gros sonar. Toi, avec ta combi, tu sentiras rien. Il fait une chaleur infernale là-dedans. Ça a beaucoup changé. Ça a commencé comme ça. Les gens ont signé pour le sel contre de l'énergie bon marché. Le sel produisait de l'énergie gratos. Et ils ont pas tardé à se tailler le monopole. Et c'est là que les prix ont explosé. Les gens ont croulé sous les dettes. Et le sel les enrôlait de force dans des camps volontaires. De l'esclavage, quoi. Hein ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Un afflux d'énergie. Source d'énergie épuisée. C'est fini. Balayage du secteur 1, Delta 7. Besoin d'aide ? Trop facile. Connard. On se fait discret. Est-ce que ça va? C'était rien. Là, la marque de la mort. Si on se fait repérer, c'est foutu. Je sais pas ce que c'était, mais c'est mort. La 34e rue est encore loin. Quelques kilomètres. Faut contourner la zone d'interdiction. Non. Le sel réplique. Pas le temps de contourner. Vu le rayon d'action et la cadence de tir, ça peut gérer. On peut couper direct à travers.
Vous avez entendu? Je vous prends tous à la fois, connard! Hâtez-vous, allez, ouais! Merde, tu débloques? Ces armes vont te tailler en pièces! Ah, t'as compris maintenant? On m'a dépouillé de ma combi! Je suis qu'un humain! Humain? Tu sais tout ce que j'ai sacrifié pour arrêter les SF? Je récupère ça comment? Oh, merde! Bref, tu comptes faire quoi? De l'appui. Bon, moi je désigne les cibles et je te rencarde. Toi, tu te charges du reste. Ça ressemble pas au psycho que je connais. J'ai changé. Ok, voilà comment on va procéder. J'annonce les coordonnées. Par exemple, secteur 1, Delta 0. C'est des caches d'armes potentielles. La tour 3, Delta 3, est la cible principale. Dès qu'on a le matos, on fait tout péter. Rien en vue. Fais chier, c'est une arme alien. On peut pas s'en servir. Eh ben! Chargeur plein. Système d'armement actif. Putain! Comment tu te sers de ce truc? Putain! La manière m'enchante pas, mais le résultat parle. Merde! Ok, t'as attiré l'attention du sel. Je suggère qu'on foute le camp. Alerte. Tour de défense aérienne. 3 Delta 3 désactivé. Gunslinger 2-1, ici leader. Les communications ennemies indiquent qu'ils sont encore sur zone. Pressé. Bien reçu. On vient tout juste de rappliquer sur zone. L'équipe Charlie prend la tête. Reçu. C'était les rebelles, tu crois? Sûrement pas. Ça fait des semaines qu'ils essaient de bousiller cette tour. Là, c'est du lourd. Avancez, rendez compte. Bien. Niveau de menace élevé. Niveau de menace élevé. Comment on fait pour ouvrir ça, putain? Passe ta puce de sécurité sur le panneau avant. J'ai déjà essayé. Tu me prends pour un con, quoi? Ouais. Mesure d'interdiction activée. Bien, on prend les tunnels jusqu'au terrain d'entraînement. Moi, j'en ai rien à carrer, tu sais. Ça jacte pas mal sur la combinaison et toi. Les modifications aliens, ces visions, les gens savent plus trop à quoi s'en tenir. Ils savent plus vraiment qui tu es. Et t'en penses quoi? Je suis là, pas vrai? Qu'on fasse le tour. Ils ont entendu, tu crois? Ok, on se retrouve de l'autre côté. Ils ont rien capté, je parie. Activé.
On n'a pas été repérés. Bordel, il s'est passé quoi ici? Contrôle leur boîte noire. Trouve comment ils sont morts. Moi, je vais grimper pour voir ce qui se passe. Camouflage actif. Putain de merde! Laissez tomber! C'est rien! Chut! Écoute! Vous avez entendu? J'ai vu ce qu'on a affronté. Ouais, je sais. Des stalkers. Il manquait plus que ça. C'était pas prévu au programme. Menace critique. Présence Xenacer détectée dans les secteurs 2, Delta 1. Là! Juste là! Donc derrière vous! Derrière vous! Leader! Outbreak 3-3! À la mot! À la mot! On l'a fait, ce prochain! Il est dans le côté! Psycho, j'ai mon ATH qui déconne. Je vais voir si je peux réparer ça. Lâche ! Non, non, je me flèche, je me flèche ! Disrupteur de nanocombinaison ennemi détecté. Va me falloir une minute pour improviser l'évacuation. Roméo Leader, ici Roméo 1. On n'a plus de ticket de sortie. À vous, terminé. Pas de plan B. Mais putain, vous êtes qui? Non, non, non. J'ai rien à vous dire. Fermez-la. Passez-moi clair, illico. Voyez ça, gros comme une maison. Encore un plan foireux du QG. Pas moyen d'ouvrir ce tunnel. Tu crois, moi je sais quoi faire. Viens. Allez, pousse! Psycho! Ce train est truffé d'un sacré paquet d'explosifs. Oh ouais. Alors, c'est ça ton plan? Ouais. Amenez-vous, connard! Thank you.
Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on a carrément assuré. Merde. Eh ma jolie, c'est ton soldat préféré au crachoir. Ouvre une fenêtre sur le refuge. On se pointe dans 10 minutes. Roméo 1, ici Roméo Leader. Observez le protocole radio. Escortez le matériel jusqu'à la base. Terminé. On bouge. C'est pas gagné. Bref, elle vaut le coup quand on la connaît. Tu dis pas un mot sur tes visions, d'accord? Psycho, pourquoi est-ce qu'elle m'appelle le matériel? Écoutez, tant que le sel contrôlera l'énergie, nous serons à sa botte. Il nous asservira. Le sel garde sa poule aux œufs d'or dans le Nexus de Zuckerman, près de la station de Broad Street. Nous l'avons surnommé Système X. Ce vestige de technologie CEF est abrité dans un complexe d'exploitation à plusieurs centaines de mètres sous terre. Rien dans le monde militaro-industriel du sel n'est aussi bien protégé. Si l'ennemi a un talon d'Achille, c'est bien celui-ci. Nous avons subi de lourdes pertes, ça n'a échappé à personne. Et le commandement des opérations me revient. Nous sommes dos au mur, les équipes du sel ne nous lâchent pas. C'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui que tout se joue. Il faut vaincre ou mourir. Tenez la position. Bienvenue en notre humble demeure. Le sel nous lâche pas. Il faut qu'on se déplace constamment. Bref, tu vois le genre. À toutes les unités, les avant-postes vont sauter. Repliez-vous sur la ligne verte. Restez mobile. Salut, Trésor. Attends, Michael, je suis à toi tout de suite. Bienvenue au bercail. Le sel nous pilonne aux obus numériques. Notre réseau se fait laminer. Rétablissez la connexion, vite. Fais chier. Claire. Le signal est répercuté par des déflecteurs. Rien à foutre. Rétablissez la connexion, c'est un ordre. Claire. Oh, Michael. Sale journée. De braves gens sont morts. J'essayais de contacter Dane quand... Qu'est-ce que... Oh non. Non, non. Claire, c'est Prophète. Écoute-moi, ok? Ces modifications, c'est de qui? Les Cephs? Le sel? C'est humain, au moins? C'est pour ça qu'on s'est battu? Pour cette... mutation? Écoute. C'est pas qu'une simple combinaison. Claire. Claire. Ça fait 5 mois qu'on est là. Notre situation militaire est chaque jour plus précaire. Ça devrait être une opération décisive. Mais voilà à quoi on est réduit. À nous cacher. À nous agiter, sans jamais inverser la tendance. Nous devons réagir. Changer la donne. Major Lawrence Barnes, le fameux prophète. Karl Ernst Rasch, à votre service. Rasch, je me souviens de vous. Ne bougez pas, je vous prie. De l'ADN recombiné. À la fois humain, Cèf et synthétique. Incroyable. Je ne vous vois pas sur mes capteurs. Oh, je vous en prie, qu'espériez-vous, Lawrence? C'est moi qui ai conçu votre combinaison. Je n'apparais donc pas sur vos capteurs? Claire a vu juste. Les risques sont immenses. C'est un pouvoir colossal. Capricieux, complexe à manier et irritable. Dites-moi, Michael vous a-t-il informé de nos plans? Je le mettrai au parfum quand on partira. C'est génial comme idée, sans que le sel va pas s'en remettre. La situation est pire qu'aucun de vous ne l'imagine. J'ai des visions, des aperçus de...
Nous devons porter le combat au-devant du sel et neutraliser leur nexus d'énergie. Ou bien toute forme de vie sur cette planète sera condamnée à disparaître. Ne l'oubliez pas. Et voilà un discours aux accents prophétiques. Est-ce délibéré? C'est plein d'à propos. Maintenant, allons sauver le monde. Voulez-vous? Ok. On y va. Fais bien attention, Michael. Compte là-dessus. On bouge. Hey, je t'avais dit de la fermer sur tes foutues visions. Au moins, t'as rien bavé sur elle et moi. Roméo 1, votre micro est grand ouvert. Oups. Le voilà, barrage Felton. 500 mégawatts injectés direct dans le système de défense aérien du sel. Le sel disperse ses forces entre les générateurs. À toi de voir comment tu veux t'y prendre. Et là, le nexus d'énergie du sel. Le système X. On détruit le barrage et les défenses du sel seront neutralisées. Et s'il reroute depuis le système X? Pas sur le même réseau. Explique-moi ça. Pourquoi un barrage, alors que le système X leur fournit de l'énergie illimitée? Redondance? Ou peut-être que le système X a quelque chose qui leur fait peur. Dis-moi, Psycho, tu les connais suffisamment, ces rebelles? On peut leur faire confiance? C'est quoi son délire sur ma combi? Elle déteste les combinaisons. Va savoir pourquoi. Je pose pas de questions. C'est son équipe qui m'a tiré du labo d'écorchage. Je lui dois la vie. Besoin d'un coup de main? Non, va chier. Ok, par là. Ça va. Bon, faut y aller. Fais chier. Ok, Roméo 1, ici Roméo Leader. Je prends le contrôle. Connectez-moi au système d'affichage de la nano-combinaison. Terminé. Bien reçu. Mais faudra vraiment pas que ça dure trop longtemps. Roméo 1, le barrage Felton est entièrement automatisé, mais les générateurs ont des dispositifs d'arrêt d'urgence. Actionnez-les pour couper le courant. À toutes les unités, ici Charlie 1. Prophète va se pointer dans moins de 2 minutes. Rappliquez et défoncez-le! Terminé! Camouflage activé. Rappliquez-vous!
camouflage activé. Un fait. Plus qu'un autre. Trois, non, quatre escouades d'intervention du sel approchent de ta position. Plusieurs hélicos d'attaque en appui. Quoi que tu veuilles faire, t'as intérêt à le faire vite. On y est. Roméo 1, localisez les verrous et enclenchez la. Il est dans la salle du générateur. Allez, allez, go. Putain de merde, on n'a plus le temps. Ok, allons-y, Franco. Roméo 1, la production d'énergie du sel est en chute libre à 65%. Mission accomplie. Évacuer vers zone Delta. Go. J'ai autre chose en tête. Je crois que ça va vous plaire. Aidez-moi! Roméo 1, on a dégagé une fenêtre d'intervention d'une heure sur l'objectif principal. Plusieurs unités du sel se dirigent droit sur votre position. N'allez surtout pas foutre en l'air la mission. Roméo 1, vous avez le feu vert pour accéder au Nexus. L'exfiltration explosive du matériel n'a aucune chance de réussir. J'ai un nom. Prophète. Vous n'avez pas de nom. Ça, c'est réservé aux gens normaux. Vous, vous avez un indicatif et un foutu matricule. Sans moi, vous n'avez pas l'ombre d'une chance. Faudra vous y faire. Faites-moi le topo. Ok. Le système de défense aérien du SEL est totalement HS. Mais c'est pas encore gagné. À tous les coups, le pire est à venir. Le sel bat en retraite. Mais ils vont aller se terrer dans le Nexus. Ils vont sûrement dresser un périmètre d'interdiction. Méfiez-vous. Camouflage activé. Vous avez entendu ça? Camouflage activé. Blacktail leader, cible sur zone Beta 6. On a un homme à terre. On est là. Camouflage activé. On est à ta merci. Concentrez les tirs. Roméo 1, la cible prioritaire est en vue. Le système X est abrité dans un complexe d'exploitation à plusieurs centaines de mètres sous terre. Mais le système de contrôle est situé directement au-dessus. Tu vas devoir trouver une voie d'accès. Le SEL continue d'exploiter le Nexus alors que la matrice de stabilisation est privée d'énergie. Le complexe pourrait sauter n'importe quand. Commencez l'opération Jackhammer. Prenez le contrôle du réseau d'alimentation pour couper le système X. Bien sûr.
au complexe d'exploitation. Approchez du complexe d'exploitation. Localisez les deux alternateurs de courant. Vous devez les couper au plus vite pour qu'on neutralise le Nexus. Ok, Romeo 1. Neutralisez le système X pour de bon. Cet endroit a quelque chose d'étrange. Les visions. Les champs d'énergie dressés autour du système X altèrent les zones mésiotemporales du cerveau. On a observé des symptômes d'hallucination, des troubles de la mémoire, jusqu'à des cas de schizophrénie aiguë. Je ne suis pas fou. Les visions sont des prédictions, pas des hallucinations. Rien à carrer, tant que vous restez concentré sur la mission. Vous avez entendu ça ? Attention, une typhoon ! On y est. C'est maintenant ou jamais. Merci, prophète. Merci. Aujourd'hui, nous nous dressons et nous brisons nos chaînes. Notre liberté commence ici. Tico, j'y suis. Je fais sauter les verrous de sécurité du sel. Requête d'arrêt d'urgence du système. Arrêt d'urgence du système. Précisez les commandes pour arrêter le système. Arrêt d'urgence initié. Passage sur générateur auxiliaire. Affichage de la zone de confinement. Alerte. Échec du confinement du système. Quoi ? Je rêve. Pas possible qu'ils aient été aussi stupides. L'Alpha Cef. Violation du périmètre de contrôle. Implosion contrôlée déclenchée. Protocole. Échec. Destruction du complexe dans 5, 4, 3, 2, 6MX, leur source d'énergie, c'était l'Alpha Cef. Oh putain! Si tes visions sont vraies, ça veut dire que c'est la fin du monde? Non. Ça veut dire que ce salopard est dans la nature. Et ça veut dire que je vais le buter. Dans leur base de données. On a éventé leur secret le mieux gardé, on dirait. Cette chose, c'était la source d'énergie du sel. L'Alpha Cef. Il est bien plus puissant que je le croyais.
Mais quand je l'ai approché, j'ai vu des choses qu'ils auraient préféré me cacher. S'ils peuvent rentrer dans ma tête, je peux sûrement leur rendre la politesse. Il suffit de trouver la faille. Psycho, tu saurais où trouver une nacelle ? Ouais. Au labo d'écorchage, où j'étais détenu. On s'y retrouve d'ici 30 minutes. Fais attention à toi, Michael. Il y a certaines choses impossibles à pardonner. On s'est déployé. Affirmatif, on rejoint le secteur. Tout est OK. Vous entendez ? Vision activée. RS dans le secteur. Fausse alerte. Compris. Reprenez le quadrillage. Rien en visu. On se dirige vers le checkpoint suivant. C'est quelque chose ? C'était rien. Camouflage activé. RS. Tout est OK ici. Non, aucun signe de prophète. Passe le mot. Blacktail Leader, ici Blacktail 9. RS sur zone Delancey 4 Alpha. On passe au secteur suivant. Terminé. Négatif, Blacktail 9. L'Axe a engagé le protocole Étoile Rouge. Toutes les patrouilles sont rappelées pour évacuation. Terminé. Étoile Rouge, confirmé. C'est forcément une erreur. Terminé. Confirmé. Le protocole Étoile Rouge est entré en vigueur. Terminé. Non, putain de merde. Il débloque ou quoi? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? J'en sais rien, rien à foutre de prophète. On se barre, hé. Et pour Stibber? Je l'emmerde, il se débrouillera. Psycho, t'as déjà entendu parler de l'Étoile Rouge? Non, jamais. Le sel, c'est pas le genre à flipper pour rien. Vois ce que tu peux trouver. On se retrouve après. C'est la merde. On a perdu le contact avec Rash et Claire. Va falloir que tu ailles en solo, le temps de voir ce qui se passe. Vous avez entendu ça? Attendez. Camouflage activé. Camouflage activé. Test radio, test. Prophète, vous me recevez? La radio était HS. L'impulsion électromagnétique a grillé le réseau. Rash a disparu. Maintenant, c'est lui la priorité. Michael vous en dira plus. Préparez vos hommes à un autre genre de combat. La donne a changé. Prophète, les archives du sel indiquent qu'un cerveau relais Seth se trouve tout près de vous. Comme vous êtes sensible à l'influence alien, vous feriez aussi bien de garder vos distances. Négatif. Les Seth ont une conscience collective, un esprit de ruche, et elle dépend tout entière de l'Alpha. Maintenant qu'il est libre, ils s'éveillent tous. Si ces cerveaux relais sont impliqués, faut que j'y jette un œil. Une conscience collective? Mais votre ADN est rempli de matériel génétique alien. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Le système X! L'Alpha Ceph! Descendez! Non!
Psycho. Psycho ? Je t'écoute. Besoin de quelque chose ? Non. Je venais aux infos. J'arrive au rendez-vous d'ici 3 minutes. D'après les rapports, les Ceph sont partout dans le dôme. Le sel se fait massacrer. Démantelé tout près de votre position. Vu l'activité Ceph, il risque de se réactiver. Vous auriez intérêt à garder vos distances. Possible. Mais s'il a une source d'énergie, je pourrais peut-être m'en servir. Camouflage activé. Ok, je t'envoie l'ascenseur. Il y a encore du chemin à faire. C'est moi qui me tape tout le travail, si je comprends bien. Écoute, il n'y a pas un jour qui passe où je voudrais pas être à ta place. Même avec tout ce bordel de mutations Ceph qui te grouillent sous la peau. Si tu me le demandais, je serais plus que ravi de t'en débarrasser. Allez. Le sel m'a gardé au frais ici pendant des mois. Je m'étais jamais rendu compte jusqu'où ils étaient allés. C'était qu'une question de temps avant qu'il m'expédie dans une de ces machines. Parce que la nanocombi, c'est ça, hein? Un exosquelette Ceph. Je vais mettre la main sur celui qui a fait ça. Je le buterai. Allez. On
On y est. Claire, ouvre la porte. Un instant. Ça va aller. Mais... Tu es entré ? Ouais, à moitié. Calibrage télémétrique. Il y a un petit décalage. Compensation. On est dedans. Verrouillé. Assieds-toi. Est-ce qu'on est bien sûr de notre coup ? Débloquer la combinaison, c'est faire sauter les sécurités. Rerouter les nanites. Impossible de prévoir ce qu'il va devenir s'il est saturé de technologie Ceph. T'es sûr de pouvoir encaisser, boss ? Fais-le. J'accède au système de récup mémoriel. Filtrage. Le risque a toujours existé. Nous avons amorcé un changement radical de votre nature. Mais pour triompher d'un ennemi d'une seule force de technologie, il fallait devenir comme nous. Nous avons placé des antagonistes sur vos récepteurs dopaminergiques. Votre esprit sera protégé. De plus, sans leur aide, l'exposition à la conscience collective vous aurait anéanti. Les antagonistes sont purgés. Je relève des changements neurologiques critiques. Ils devraient pouvoir établir une liaison optimale avec les Ceph. Qu'est-ce que c'est ? Michael, tu devrais pas. Je t'en prie. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Un subdermique. La combinaison est maintenant séparée. Le sujet 8A, sergent Michael Sykes, opère toujours à régime presque optimal. Mais une dégradation accélérée est à prévoir. Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Michael, écoute-moi, je t'en prie. C'est à cause de toi que... C'est pour toi que je me bats contre le sel. Alors parce pour que... nous deux, tu faisais semblant à cause de ça. Ta putain de culpabilité. J'avais pas le choix, Michael. On était couverts de dettes, et tu sais ce que ça signifie. Le sel m'a forcé à torturer ces gens. Leurs crimes m'ont hanté jour après jour, jour après jour. Je sais ce que j'ai fait. Putain, tu peux me croire, je le sais. Et je devrais porter ça jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Michael ! Ethermore, c'est censé tout arranger ? Si t'es désolé à ce point, Claire. Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit ? Tu m'as baladé depuis le début, foutu menteur ! C'est con, écoute-moi ! Tu sais aussi bien que moi qu'elle n'a pas eu le choix. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Pas le choix. Elle a juste fait ce qu'on lui a dit. Elle a fait que suivre les ordres. Ça te rappelle rien ni personne, prophète ? Je vais te dire une bonne chose, elle avait raison sur ton compte. T'as plus rien d'un être humain maintenant. Tu pourrais aussi bien être une foutue machine. Déjà qu'avant, t'avais pas une gueule de porte-bonheur, mais là, hein ? Regarde-toi ! À quoi est-ce que tu ressembles sous ton putain de casque, prophète ? Est-ce que t'as encore seulement un semblant de visage ? Nous avons tous fait des sacrifices. Tu avais le choix. Tout le monde a le choix. Je t'ai dit tout ce que t'avais besoin de savoir. Tu te souviens de ça ? Tous ces hommes qui sont morts sous ton commandement, parce que tu suivais les ordres, parce que tu n'avais pas le choix. Tout comme elle. Psycho, pas je... la peine. Prends ta combinaison et tire-toi. Va te battre pour ta gueule. Comme toujours.
Michael ? Attends. Non, Claire. Il a raison. Qu'il parte. Bon sang. On tient quelque chose sur Étoile Rouge. Écoutez-moi ça. L'archange est un régulateur clé du réseau énergétique déployé par le SEL. Mais ses fonctions vont bien au-delà. Le système peut décharger son réservoir haute capacité pour générer un faisceau d'énergie à rayon large capable d'anéantir n'importe quel objectif, qu'il soit militaire ou civil, sans distinction. La plateforme Archange peut être reconfigurée pour répondre à diverses situations. Lorsqu'une menace SEP de stade 3 est observée, l'Archange déclenche le protocole le plus agressif de sa programmation, dit Étoile Rouge. Oh non ! Il s'apprête à raser New York. Absolument toute la ville. Le SEL pourrait pas me lâcher la grappe pour changer. Il faut qu'on fasse évacuer le périmètre. Vous perdez votre temps. Je dois sauver autant de vies que je peux. Non, vous foulez pas. Ce sera pas un autre Ling Shan. Archange embarque une énorme réserve d'énergie. Toute cette énergie sera ensuite reversée dans l'Alpha Ceph, et le contre-coup sera catastrophique. La Terre sera anéantie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Me connecter à un cerveau-relais. Si j'accède à leur conscience, je devrais pouvoir inverser le processus et neutraliser les Ceph. Sans cette menace, le SEL désactivera l'Archange. Vous voulez interfacer avec les Ceph ? Prophète, vous avez lutté pour résister à leur influence, même avec votre système de verrouillage. Si on fait sauter les sécurités, les nanites de votre combi seront libres. Vous pourriez vous transformer en n'importe quoi, sous n'importe quelle forme. Vous pourriez devenir un Ceph. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Camouflage activé. Ils me prennent pour l'Alpha Ceph. Je suis l'Alpha Ceph. Prophète ! Prophète ! C'est trop dangereux ! Vous laissez les Ceph vous contrôler ! Prophète ! Noren ! Non ! Non, ça va. Je vais bien, je vais bien. Je ressens leur conscience. C'est si... intense. C'est ça. Leurs pensées et leur puissance, elles ne font qu'un. Si je pouvais... Merde. Qu'est-ce que c'est ? Le vrai Alpha Ceph. Fichez le camp, prophète ! Ah ! L'énergie de ma combi ne s'épuise pas. Je ne subis aucun dégât. Les armes Ceph sont bien plus puissantes. Prophète, on doit se connecter au plus vite. La situation est hors de contrôle. Ça n'a pas marché. Leur conscience n'est que pure énergie. Si je les laisse faire, ne serait-ce qu'un peu, je pourrais m'approprier cette puissance. Prophète, rappliquez et écoutez. J'ai plus d'infos sur l'Archange. Il est déjà en orbite.
Il sera au-dessus de nous dans moins d'une heure. On sait aussi que le sel a tout évacué, sauf un petit complexe à 5 km d'ici. Ça doit être un poste de contrôle du satellite. Faites-moi entrer et on pourra neutraliser l'archange ensemble. Je peux compter sur vous, soldat ? Oui, chef. Tenez bon. 5 minutes, d'accord? Juste 5 minutes de plus. Claire! Claire! Putain de merde! Terminé. Michael, tu es revenu ? Roméo Leader, ici Roméo 1. Veuillez observer le protocole radio standard sur ce canal. Terminé. Tout ce que vous voulez, Roméo 1. Terminé. Roméo 1, la voie est libre. Parez pour le décollage. Terminé. Prophète, repli de Roméo 12 en position de défense. Terminé. Bien reçu, Psycho. Un signal de détresse sur le canal sécurisé de Rache. Terminé. Rache ! Si quelqu'un peut nous aider, c'est bien lui. Trouvez-le. J'ai du neuf sur l'archange. Vous allez devoir vous manier le train. À sa vitesse de révolution actuelle, il survolera New York dans à peine 15 minutes. Ça vous suffira ? On n'est plus qu'à quelques kilomètres du point d'émission. On embarque Rache et on remballe. On sera à l'heure au rendez-vous. Prophète, la zone d'atterrissage est disputée. Leurs défenses anti-aériennes sont alimentées par un générateur externe. Détruis-le. Terminé. Je vais essayer. Prophète, on a trouvé Rache. On l'a trouvé. Il est dans quel état? Déboussolé. Ce qu'il dit n'a ni queue ni tête. Il n'a pas l'air de savoir où il est ni qui nous sommes. Physiquement, il n'a rien, mais il est en état de choc. Il s'est retrouvé au beau milieu d'une zone de guerre. C'est un miracle qu'il ait survécu. Prophète, c'est vous, cher ami. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous avez pris la bonne décision. L'archange est une menace universelle. Nous devons faire vite. Nous avons trop accompli pour tout perdre maintenant. Prophète, la Zeta est toujours contestée. La tour a ses canons braqués sur ma trajectoire. Il faut que tu les neutralises. Terminé. Bien reçu, Psycho. Plus aucune activité ennemie. Qu'est-ce qui se passe? Les chefs ont cessé le feu. J'ai pas plus d'infos. Terminé.
Défense AA neutralisée. À toi de jouer. Reçu. Maintenant, dirige-toi vers la station de commande. Mind-toi. L'ascenseur devrait toujours fonctionner. Terminé. Il est bientôt là, prophète! Vite! Séquence de confirmation engagée. Purge imminente. Plus que quelques secondes! Prophète, aidez-moi! Il faut que vous accédiez à ce terminal. Accès en cours. Procédure d'urgence en cours. Tous les agents restants doivent évacuer vers le centre de confinement souterrain. 5. Épsilon 9. On l'a arrêté. À tout le personnel, rassemblement pour appel dans T-15 minutes. L'archange n'était chargé que partiellement, dans les 5%, sous le seuil de réaction en chaîne avec l'énergie CEF. On a eu une chance. Incroyable. C'est tout ce qu'il peut faire. Simulation Stade 3, en cours. Stade 3 ? J'avais besoin de vous. J'avais besoin de vous tous pour échapper à ma prison du sel. Lorsque mes enfants étaient plongés dans leur torpeur, c'est là que vous m'avez tiré de mon sommeil, en désactivant l'archange. Et pour cela, je vous dois des remerciements. Mais... mais de quoi vous parlez ? Rache ? Simulation stade 3, en cours. Le troisième et dernier stade. Le rayon... il s'active. Oh putain ! C'est un pont Einstein-Rosen. Un trou de verre donnant sur la galaxie M33. Et quelque chose de colossal cherche à passer. Au refuge, vous avez prétexté ne pas apparaître sur mes capteurs parce que vous aviez créé la combinaison. Mais c'est autre chose, pas vrai? Depuis combien de temps prolongez-vous votre vie grâce aux nano-recherches, à l'ADN CEF? Vous savez ce que vous êtes devenu? Vous avez affronté la conscience CEF, tout comme moi. Mais vous... vous avez perdu. Ils vous ont absorbé. Vous êtes des leurs. Psycho, fais-la sortir, vite! Carl? Carl? Vous avez un atout. Un atout que les Sèvres n'auront jamais. Merde! Les tourelles, j'utilise les tourelles! Psycho, l'Alpha CEF s'échappe de la tour! Vaisseau à 3 heures! Fuyez! Merde! Allez! Allez! Sortez-nous de là! On n'est pas encore tiré d'affaire! Prophète... il faut que tu vois ça. Le troisième et dernier stade de la colonisation CEF est aussi le plus mortel.
Face à une résistance notable et durable, une force d'incursion Ceph cherchera à ouvrir un pont Einstein-Rosen menant directement à sa galaxie d'origine. Cela fait, les ruches-mères Ceph déploient leur caste guerrière dédiée pour anéantir tout obstacle. Nous n'avons vu qu'une fraction de ce dont les Ceph sont capables. Cette fois-ci, l'extinction nous guette. L'Alpha Ceph va continuer à alimenter ce rayon jusqu'à ce que toute la force d'invasion soit passée. Il faut le désactiver. Claire ! Claire ! Claire ! Claire ! Prophète ! Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Claire ! Tiens le coup ! Merde ! Tiens le coup ! Claire ! Et merde, prophète ! C'est pas vrai, elle répond plus ! Pas à être désolé. Personne n'aurait pu faire plus. Tu me pardonnes ? Bien sûr que oui. Bon. Alors, tout va bien. Oui. Claire. Claire. Psycho. Psycho, désolé, mais le temps presse. Il faut qu'on trouve un autre Adav, et vite! Psycho! M'appelle pas comme ça, putain! Psycho, il faut qu'on désactive ce rayon énergétique ou tout le monde va crever! Tu me reçois? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, bordel de merde? Je suis Michael Sykes, un simple humain, un prophète! Même une vie, j'ai pas pu la sauver! Même pas une seule! Sale égoïste, mais que... Tu ne comprends pas? Rash m'avait immobilisé à cause de cette saloperie de combinaison. Si tu l'avais portée, on serait tous morts. C'est justement ton humanité qui nous a sauvés. On était tous humains, Psycho. Et on s'est tous battus. Toi, moi, Nomad, Jester, chacun d'entre nous, on s'est battus. C'est notre guerre. Pas celle de ces foutues combinaisons. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Nous pouvons faire la différence. Une dernière mission. Tu crois qu'elle voudrait que tu baisses les bras maintenant? À tous les postes, ici Vautour Rebelle 4. Demandons appui immédiat. Pilote abattu. Sommes cloués au sol sous une attaque Ceph. On tiendra pas longtemps. Psy. Michael. Qu'on se comprenne bien. Ça va être un massacre. Ouais, exactement. Et c'est moi qui tiendrai le surin. Bah, c'est comme tu disais. À quoi bon une combi? Quand on a sa bite et son couteau, pas vrai? Élimine l'artillerie et je fais venir la DAV. Allez, quoi. C'est pas la fin du monde. Pas encore. On se retrouve de l'autre côté. Activé.
En fait, Vautour 4 est en sécurité. Je suis actuellement en vol stationnaire. Fais-moi signe quand je pourrai avancer. Bien. Cette connexion à la conscience collective. Si je peux remonter à ce qui alimente l'artillerie, je pourrai la contrôler. Bien reçu. Je passe à la DCA suivante. Bien reçu. Je reste en stationnaire et j'attends ton signal. Allez, Michael! Fais-moi sauter ce truc! Parfait, donne-moi une minute. Encore un effort! Boum! C'est bon! Je crois qu'on a ouvert une brèche dans les défenses SEF. On a le champ libre jusqu'au rayon. Il ne reste plus qu'à nettoyer la Zeda. Je vais poser la dame. Ouais. Ça, c'est pour l'Incham. Bon, je me pose sur le toit. Je laisse tourner les moteurs. On sait jamais. Accroche-toi! J'ai un truc qui me suit depuis un bail. Ça risque d'être un peu... Salut les gars! Ok, je vais slalomer entre les immeubles. Ça va les ralentir un peu. Ça marche d'habitude? Aucune idée. Putain! Décroche-moi celui-là! Manœuvre d'évitement! Pas la peine de me le dire. Mon arrière-grand-père était dans la Royal Air Force. Il a eu! Cet enfoiré. Dans le mille. Abat-moi ce connard. Descends-le. Détruisez-le. Bien joué. Jamais dans le domaine de la guerre, tant de calmars s'étaient autant fait mettre à la misère par un si petit nombre d'individus. J'ai des voyants allumés plein le tableau de bord. Ça va derrière? Ça crame de partout, c'est pas la joie. Notre avion est foutu. Ok, on peut pas se poser au sol. Je vais voir si on arrive à atteindre l'immeuble Lusadon. De là, on devrait avoir une bonne vue du rayon. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est parti. On y est presque. Allez! Allez!
Brock. On est bon. Occupe-toi des moteurs, je vais les repousser. Ouais, c'est ça. J'ai qu'à mettre en pratique mon bac pro pendant que monsieur se farcit joyeusement des hordes d'aliens. C'est pris de poil pour ça que je me suis engagé. T'as fini? Ouais. J'osais trop rien dire jusque-là, vu que t'avais l'air de bien t'amuser. Prophète, monte! T'as déjà vu ça? C'est quoi ce truc? Rien à battre. On a qu'à le tuer. Ah! Ça, c'est du plan. Il a fait ses preuves. Michael, où est-ce que t'es, bon sang? Michael! Michael, tu me reçois? Si tu m'entends, tu sais où me trouver. Je vais aller me tuer. Prophète, il pète les plombs, mon pote. Je sais pas ce qu'il a vu dans la sphère, mais ça l'a secoué. Sors de ma tête! Il croit que je suis l'Alpha Seth. Vous laissez les Seth vous contrôler! Je suis l'Alpha Seth. On a observé des symptômes d'hallucination, des troubles de la mémoire, jusqu'à des schizophrénie aiguë.
entrer dans le dédale pour achever le Minotaure. Camouflage activé. Du futur. Quel sera le prix à payer? Est-ce que je dois devenir plus simple que les simples? Qu'est-ce que tu feras alors? Pourquoi ne pas sortir à tromper? Rayon Liberty. 61%. Opérationnel estimé. Goulet du trou de mer. Taille maximale. Cuirassé Xenocef. TAE 25 minutes. Nous avons amorcé un changement radical de notre nature. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait devenir comme eux. Un cerveau relais, Seth. Je peux retourner leur pouvoir contre eux. Camouflage activé. Ne comprendront jamais. Tu veux me dire quelque chose, hein? Tu ne crois pas que charger la combinaison peut te faire mal? Regarde! TAE, 15 minutes. Tu pourrais aussi bien être une foutue machine. Vous n'avez pas de nom. Est-ce que c'est humain au moins? De l'ADN recombiné. Mais là, regarde-toi! Tu penses que je vais m'effondrer à cause de ce que j'ai abandonné? Je vais te montrer ce dont une machine est capable. Espèce d'enfoiré. Toi et moi, c'est ce que tu voulais, hein? Je t'attends.
zombie est à moi! On l'a revu et corrigé! Je suis deux fois plus fort que vous! C'est pour l'équipe Raptor, sale enfoiré. Sors de là, vite! Je suis coincé! Ce putain de harnais est bloqué! Michael! Tiens bon! Je te sors de là! Pas le temps! On est arrivé trop tard! Ils sont rentrés! T'inquiète pas, je vais te sortir de là! Prophète! Marche, diamant! Michael! La combi! Je peux pas! Bordel, marche! On s'en prend de la combinaison! Marche! Marche! Vous, que seriez-vous prêt à sacrifier? Quand on m'a confié la nano-combinaison, j'ai sacrifié Lawrence Barnes, l'homme que j'étais alors, pour devenir prophète. 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 La machine de guerre la plus puissante que la Terre ait jamais portée. Que suivre les ordres. C'est humain au moins. T'as plus rien d'un être humain. Mais quand on a tout sacrifié pour devenir une machine parfaite, froide, logique, et que la machine prophète ne remplit plus son rôle, que se passe-t-il? Marche! Approche-toi! Tout le monde a le choix. Que devient-on alors quand le prophète échoue? Vous avez un atout. Marche! Approche-toi! Un atout que les Sèvres n'auront et ne comprendront jamais. Lorenz! On s'en branle de la combinaison! Marche! Approche-toi! Lorenz! Non! Les nanites de votre combi sont libres.
elles peuvent se transformer en n'importe quoi, sous n'importe quelle forme. L'archange. Toute la ville va être rayée de la carte. Je faisais mes classes. On nous a appris ceci. Un bon soldat sait qu'au moment fatidique, il ne peut compter que sur une chose. Pas sur ses renseignements, ni sur son équipement ultra perfectionné, pas même sur son arme high-tech, mais sur lui-même. Il m'aura fallu du temps pour m'en souvenir. Pour l'heure, la guerre est finie. J'ai fait des erreurs de parcours, mais après tout, l'erreur est humaine. Mon nom est Lawrence Barnes. On m'appelait Prophète.